y a plein de place pour habiter ici. Installons-nous. Regarde, si je prends de l'argile et que je le cuis au feu, je peux faire des briques. C'est génial ton truc. Ça va nous servir de pierre pour faire nos maisons. Et là-bas, il y a du bitume. Ça nous servira de ciment. Ça colle bien et c'est étanche. Allons, bâtissons-nous toute une ville. J'ai déjà une idée de comment on peut l'organiser. Et il faut y faire une grande tour, dont le sommet touche au ciel. Oui, ce sera utile et on deviendra célèbre. Et surtout, on pourra rester tous ensemble au lieu d'être dispersés sur toute la terre. Allez, mettons-nous au travail. Alors, vous creusez là. Ensuite, vous montez le mur. Apporte des briques. Ok, ça vient. Tu te souviens de ce qu'avait dit Dieu à Noé, notre père ? Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Oui, il avait bien insisté. Répandez-vous sur la terre. Ils ont peut-être déjà oublié. Le travail avance bien et tout le monde veut habiter ici maintenant. C'est ça, ils veulent une tour bien haute, mais ils ne lèvent pas les yeux vers Dieu. Tu veux quoi? J'ai pas compris. Desika? Mais c'est pas comme ça pour te faire. Hey, belle c'est pas vrai. Engalaki in the Wulagi, or coopérem bundam. Je n'y comprends plus rien. Je déménage. Mawodei, bamou d'asro. Je ne comprends nada. Je me traslado. Ma pas comprendre rien. Ma déménage. Et n'est que blanga ville. Et voilà, tout le monde est parti. Les hommes n'ont pas écouté Dieu, mais Dieu est intervenu. Oui, mais est-ce qu'ils l'ont compris? En tout cas, nous, on l'a bien vu. La ville est abandonnée. Appelons-la Babel, en souvenir de cette confusion des langues.